Freddy, tu vas fermer ta gueule. Ça c'est bon, c'est bon. Faut juste que je rafraîchisse, donc je mette à jour mon RIO, mon score sur Raid.io. Parce que là j'ai envie de voir quel bond on a fait. On a 461. Attends, est-ce que c'est à jour? Je vais faire un scan quand même. Mais si c'est réel, on a pris 100 points. Hein. C'est pas mal. Boula, c'est pas mal. Tout le monde veut jouer Archer. What the fuck? De quoi il parle? Il est chiant les mecs qui crachent sur les jeux sans savoir de quoi ils parlent. Ça me saoule. Au plus haut point, qu'est-ce qu'ils me veulent? Eh bien, vous faire foutre, Alas. Elle est bien vous faire foutre. Bon. On est parti, du coup. Alors, mon petit chat, on a plus de le chat, on n'a pas besoin. Capture du jeu, on la change. Falut. Où est-ce que t'es, Falut? Falut est là. Falut du lourd. De rejouer quand même. Faut que je regarde un truc par contre. 2 minutes ago. On a fait un plus 100 de Rario. This is wonderful. Si Friol pouvait compter, ça m'arrangerait aussi. Full buggy du cul. Donc on est passé en plus 5 par. Atal d'Azhar qui n'est pas compté, ça c'est intéressant par contre. C'est-à-dire qu'il faudrait que je rentre une clé à Tal d'Azhar dans les temps pour que ce soit compté. C'est chiant. C'est très chiant. Que ce soit quand même en plus 5. C'est très relou. Donc il va falloir. Enfin, Motherload et Tal d'Azhar en 7 timés, il va falloir faire. Oui. Ah oui, d'ailleurs, j'ai confirmation du coup. Une fois que c'est en plus 7. Il y a les trois affixes. Bon, non, 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 bah c'est bien. C'est bon à savoir. Je suis en train de manger un truc, hein. C'est pour ça que je me suis muté, mais on va aller là. Je sais pas si on va d'abord. Bon, c'est ça qui est le plus proche, donc on va aller vers ça. Comme on est au niveau de l'armement, pas trop mal. C'est pas le meilleur jour de notre existence, mais on est pas trop mal. Fuck, faut que je me réhabitue aux tables. Là, ça fait... Deux jours où j'ai pas joué, je sais déjà plus jouer. Allez, parti. Je suis à combien de mon level? J'ai pas d'XP.
Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Est-ce que c'est bugué? On va tuer des gens, on va voir si ça avance sur la barre. En tous les cas, je me rappelle plus où j'en étais. Donc. Mais ouais, bon, on était au début du niveau. Sweat. Soit, j'ai les bonnes cartes sur moi. Maître Fille, oui, j'ai les bonnes cartes. J'ai les bonnes cartes, ça va. Il y a moins de monstres, ils ont baissé le nombre de monstres qu'il y a dans le coin ou c'est. Je suis une merde. Il y a moins de monstres que. Dans mes souvenirs, enfin quand au tout début du jeu, quand j'étais venu ici, j'avais l'impression que c'était grouillant de monstres partout. Je suis puant. Ou alors c'est que j'étais vraiment pas dans le bon coin. Et que je me tapais spawn sur spawn, ce qui est aussi possible. Ah d'ailleurs, il faut qu'on fasse notre essai. Grenade fumigène d'artillerie. C'est pas ça. Ça tire! Nice. Du coup, on va pas pouvoir l'utiliser pendant un moment, quoi, mais c'est, au moins c'est beau. Avouez que c'est beau pour. J'ai touché un truc. Il y a eu un hit. Eh, c'est beau quand même. Meilleur investissement de ma vie, quoi. C'est ma pièce d'artillerie personnelle. Ah, terrible. Ça tire pas encore. Donc, il va falloir qu'on fasse attention tout de même. J'espère qu'il n'y a pas de joueurs qui vont avoir la mauvaise idée de venir dans le coin. C'est beau quand même. Je suis fan de ce tir d'artillerie, quoi. Il n'y a pas à chier. C'est tellement beau. C'est encore touché un truc. Hein. Ça serait bien qu'ils mettent un petit timer, ou je sais pas. Un truc pour t'indiquer quand est-ce que tu pourras retirer. Un timer ou pas de. Ça a pas l'air. Pas l'air d'indiquer un quelconque temps de recharge. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas ce qui serait le mieux. Soit un timer rapide ou pas. Et clairement pour moi ça peut être clutch sur un PVP. Le mec qui sait pas à quoi ça correspond, si t'en as 2-3 des mecs. Enfin, si la moitié de ton groupe a la possibilité de balancer des. Des tirs d'artillerie comme ça, ça peut faire le café quand même, hein. C'est. Parce que c'est assez violent. Moi je pense que je m'en servirais principalement pour les moments PVE un peu tendus du cul. S'il y a possibilité de le faire discrètement. Parce que ça aussi c'est un truc que je vais pas tester, c'est est-ce que quand genre. J'envoie la fumigène, est-ce que ça compte comme une aggro sur les mobs et ils commencent à me chercher où ils me voient instant, ou est-ce que. Enfin, ils sont complètement mongols et ils en ont rien à foutre. Faut voir.
Faut la tester, hein. C'est clairement un truc à tester. Faut aussi voir jusqu'où ils peuvent tirer. Parce que ça, c'est pas dit que ce soit incroyable non plus. Hein. Ce serait un peu broken qu'on puisse tirer de... du nord de la map jusqu'au sud de la map. Hardcore les radiations ici quand même. Hein. Là, on arrive à la ville. Je me disais bien que cette ville elle devait servir à quelque chose un jour. En vrai, j'ai rien dit du tout, mais c'est pour faire genre. Y a personne. Ah mais je stream en 60 fps, d'accord, je comprenais. Mais c'est hyper stable en fait. Enfin en vrai je lagouille un peu mais. Je sens que j'ai des petites pertes de FPS par moment mais c'est. Est-ce qu'il y a un. Dans le cul. Bon. On va pas abuser sur la chance. Voilà. En vrai, c'est pour ça que je chauffe un peu, peut-être. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais pas vu que j'étais en 60 fps. C'est bien, ça, si je peux commencer à streamer. Si je peux streamer en 60 fps, ça... C'est avec la machine que j'ai, c'est que j'ai fait un build, mon dieu. Bon, je commence quand même à avoir un setup qui tient la route, quoi. Mais c'est de là à streamer en 60 fps, j'étais pas sûr. Hein. J'étais pas ça. Clairement. Enfin, bon, c'était pas non plus une obligation pour moi de le buter lui, quoi, mais c'est. Ah, vous avez mis la main sur un fragment de code. Nous espérons sincèrement que l'officier qui l'avait. Séjourne désormais dans un monde meilleur. Si Menteur, vous avez Malus. Besoin d'autres fragments de code, n'hésitez pas à revenir à White Spring. Nous vous aiderons à en localiser. Si c'était votre dernier... Waouh, eh bien, nous avons hâte de voir le feu d'artifice. C'est un grand menteur, Modus. Fais pas genre. Ce robot entre quelque chose à foutre. Des êtres humains, putain. On l'aime bien quand même, hein, mais. 100% bullshit ce qu'il nous raconte. Mais on lui en veut pas. On va aller taper l'autre. Yo Crow Zero. Il est au-dessus. Ouais, il est au-dessus. Attends, est-ce que. Bon, le fou. Voilà, on est trop loin. D'accord, donc là c'est trop loin. J'imagine que le rayon d'action doit être plus comme ça. Ouais, donc c'est. C'est bien limité, mais bon. Ça reste quand même bien marrant. Si, tu peux le bouger. Ça va te coûter des capsules, mais tu peux bouger ton camp. Enfin, après, ça te coûte pas des millions de capsules non plus, hein, faut pas. Faut pas t'inquiéter, c'est en gros. Voilà, moi ça me coûterait 35 capsules, mais bon, je commence à voir. Mon camp il est full budget quoi. Non, il revient pas dans l'inventaire en fait. Il faut que. En gros, le camp, on est d'accord, c'est juste la petite machine. Et après, c'est à partir du menu même du camp en fait que tu peux replacer ce que tes bâtiments, tes créations quoi. C'est
Je peux pas te montrer là parce que ça va me faire dépenser de la thune pour rien. Mais enfin, quand on y retournera, je te montrerai si tu veux. Mais en gros, c'est ce qui était posé autour de ton camp, donc la machine, c'est automatiquement stocké dans un inventaire spécial lié au camp. Un établi bricoleur. Ah merde, j'avais oublié. J'avais complètement carpé ça. Il m'a semblé voir un établi bricoleur. Je sais même plus ce qu'il me faut. Non, non, ça craint rien. C'est. Enfin, c'est. Comment dire. Faut éviter quand même de le placer juste à côté d'un groupe de mobs parce que ça. Il risque de se faire abîmer, mais dans tous les cas, même si le truc, le camp est abîmé, tu peux le réparer à partir de... Enfin, si les structures sur le camp sont abîmées, tu peux quand même le réparer. Donc, il n'y a pas de perte brute, en fait, à part sur les ressources pour le réparer. J'ai oublié de réparer. C'est le truc pour la quête. Bah voilà, tiens, je profite d'en être là. Donc en gros, quand tu bouges ton camp, donc la machine que on va pas voir comme ça, bien entendu, parce que je me rappelle plus où je l'ai posé. Je sais plus où il est, je l'ai posé, mais en gros, donc quand tu bouges la machine elle-même, le camp, donc quand tu appuies sur Tab Z et que tu le poses autre part. Tout ce que tu avais de posé sur ta précédente, autour de ton précédent camp, ça va finir dans en stock, là. Dans cet onglet-là. Bon, moi j'ai rien parce que tout est posé à l'heure actuelle dans mon camp. Mais voilà, c'est le principe. Hein. Enfin, complètement. La porte de ses morts. Je sais même plus où je l'ai foutu. Fabriquer. Est-ce que je peux le... Ah, il me faut du scotch. Maintenant, je me rappelle pourquoi c'était pas encore réparé, cette merde. J'avais plus d'adhésif. Nique sa mère l'adhésif. Bon, on va fouiller le parc d'attractions, n'est-ce pas, entre du scotch. Cake à la tome qui se prépare, je vous dis même pas comment ça sent bon. On va boire quand même. On va purifier. On se met un peu de nuque et cola. J'ai plus de bouillie. Ben, c'est intéressant, c'est un concept. Cette porte. On va former un peu des ressources. Là, il nous faut 3 adhésifs pour réparer l'identifiant pour la quête. Là. Enfin, la carte d'identité pour la quête. Donc, ça devrait pas être non plus la mer à boire. Mais bon. Ça dépend de comment les ressources on pop sur le parc d'attractions, quoi. Ça va dépendre de ça. On l'a vu. On l'a vu.
Il nous avait pas vu. Quelle grave erreur. J'ai quand même des petits ralentissements. Hein. C'est fort que je revoie les paramètres graphiques, histoire de voir si je peux rester réellement en 60 FPS tout en ayant une expérience de jeu convenable. Mais déjà que ça chauffe pas tant que ça. Enfin, ça chauffe pas tant que ça. Déjà, j'ai bien monté le water cooling, donc ça, c'est. Ça me met en joie. Parce que je pense que si j'ai streamé 4 heures sur WoW, 4 heures sur WoW sans que le PC prenne feu alors que je stream à côté en 60 FPS, là, ça fait quoi? Ça fait 20 minutes qu'on est dessus, ça. Et ça chauffe pas plus que pendant que j'étais en train de jouer à WoW. Donc, c'est bon signe. On a un PC solide maintenant. Après, faut que quand même que j'aille voir. Faut que je fasse un tour dans le BIOS pour changer la fréquence des barrettes de RAM parce que là, ils sont à la moitié de ce qu'elles peuvent fournir normalement. C'est assez gênant. Oh là là. Je pue la merde. Pas de lag, tant mieux. Attends, mais je, moi ce que je sens en fait c'est des micros saccades, je sais pas. Après c'est pas plus gênant que ça. D'autant que c'est, on est sur un jeu qui pompe beaucoup au niveau de, des perfs vu que t'as très peu de chargement. Que dans la majorité des autres jeux ça posera pas problème quoi. Mais faut éviter que ça. J'ai une vraie grosse saccade qui arrive dans un combat contre une Sulfury. Parce que là ça va être très très gênant. Dans tous les cas là j'arrive. Que je puisse streamer comme ça, aussi fluide qu'un conso CPU aussi basse alors que je suis en 60 FPS, c'est très très bien selon moi. Après, je pense pas que ça va tenir sur tous les jeux. Mais... on verra bien. Maintenant. Alors. Nique ta mère. Est-ce que. Elle est au-dessus ou elle est dedans? Non, elle est au-dessus. Elle doit être au-dessus, elle doit être au-dessus. Je vais juste changer les cartes d'aptitude pour que je puisse mettre deux crochetages. On a toujours pas trop de scotch, par contre ça va être chiant. Surtout qu'il y avait R dans ce mag. Ah, 4 sur 2 de scotch, voilà. Voilà, donc il me manque un de scotch. Là, techniquement, je pourrais peut-être partir, mais c'est pas dit que je récupère 3 adhésifs avec 2 scotch. C'est vraiment avec de la chatte, quoi. Si je chatte un peu, il y a moyen d'avoir 3 adhésifs, mais bon. Tant qu'à faire, on va éviter de se taper des déplacements inutiles. Et on va essayer de choper un dernier scotch. Pas pour le temps que ça devrait prendre, MDR. Ça va dépendre uniquement de la chance. Vous avez pas du scotch sur vous là, les ghouls? Enfin, les calcinés? C'est des calcinés ou des ghouls? Je sais même plus. Ouais, c'est des calcinés. Je vais se faire chier.
Il y a un grand trou dans le mur. Ta gueule avant de me faire strike la vidéo. Je crois qu'il va falloir qu'on aille faire un tour dans les sous-sols parce que là on est en train de faire. On a bientôt fini le tour du parc d'attractions et il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Camouette, pince, enfin, poudre à canon, je n'étais pas obligé de la récupérer non plus, mais bon. C'est du stuff gratuit. Bonjour, il y a quelqu'un? Ah bah voilà. On a le matos qu'il nous fallait et bien sûr c'est. On a le matos qu'il nous fallait. Je vais ramasser les autres items ici, après on va se retaper à la baraque. Et on ira se taper directement en ville, hein, tant qu'à faire. Là c'est complètement un oubli de ma part, donc du coup je vais faire l'effort. Et dépenser des petites capsules pour me TP. Col miracle, bah voilà, de toute façon là on sera hyper large normalement. On va être hyper large, c'est un sale boulot. Fuck off. Ah pute. La porte de ses morts qui me bloque complètement. Voilà. Donnez-moi deux secondes. Nick. Par là. Parce que ça, c'est pas le talent. Hein? Ça pue. Voilà, bon, on va repasser sur la bonne carte. On marque, après je pourrais jouer, techniquement je pourrais jouer sentir lointain quand je prends pas de mob. Jerrycan d'essence. Step à la baraque. Par contre ça va me stresser si à chaque fois que je rentre à la maison t'as la... La batterie d'artillerie qui lâche un petit coup histoire de dire salut et bon retour. Tiens, j'ai pas pris de flotte. Voilà. Alors comment je faisais déjà pour monter du coup? C'était un coup là. On saute sur le purificateur. Et on arrive. Voilà. Vous avez rien vu. C'est pas comme si je galérais à rentrer chez moi. Pas du tout. Bon. Recyclage. Qu'est-ce que de chantier? J'en ai rien à péter. Qu'est-ce qu'on a looté de beau? Normalement on doit être bon. Mode, munitions, il n'y a rien d'autre à recycler. Là on devrait être extra large au niveau des. Voilà. Ça c'est bon. Ouais. Retiré par un adulte approuvé, t'as de la batterie ferme. Sphère. Stocker le bordel. Et on est à nouveau full. Bon. Est-ce qu'on fait un rapide nettoyage ou pas? Parce que là je vois vraiment pas ce que je vais virer par contre. Ah si, enfin... Technique très simple pour déterminer si on vire des trucs ou pas. Alors ce que je peux faire aussi c'est... Ouais tiens, on va faire ça. On va commencer à réparer notre armure en ultracite. Je crois que c'est celle-là. Je suis pas sûr. Tenue, châssis d'armure. C'est pas celle-là. Ça c'est la CNT 60. Hop. Alors, retour à l'inventaire. La cache n'a plus de place. Non.
fais des conneries. Je fais des conneries. C'est celle-là que je veux ranger. C'est celle-là qui a un ultracite. Voilà. Ça, c'est. Donc, l'ultracite, c'est le modèle d'armure de la confrérie de l'acier. Modifier, réparer. Je ferais peut-être mieux de réparer quand même, de voir si j'ai pas des armes ou à réparer avant d'essayer de réparer des trucs qui me serviront pas avant 6 levels. Je peux le réparer moi. Ah non, j'ai toujours pas assez d'adhésifs. Personne n'a rien vu. Ah, je suis vraiment en galère de scotch quoi, c'est terrible. Je suis en galère d'adhésif, c'est moche, j'ai soif. C'est encore plus moche, je l'avais en soif quand même. Tolérable. Enfin, de toute façon, je vais pas le réparer non plus, j'ai pas d'adhésif. Allez, niquez-vous. Je te sais mort. Eh bon, ça sera tellement mieux le 4, donc mardi. Mardi, on va être bien. Quand on va enfin pouvoir... Ils vont rajouter 200 d'emplacements supplémentaires. On va passer à 600. Ah, ça va être bien. Ah, que ça va être bien. Ultracite. Bah, que j'en ai pas. What the fuck. Bon. Alors, je sais pas comment on farm l'ultracite. Oh! Oh là 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 là. J'ai pas ce qu'il faut pour la réparer, hein. Clairement pas. Alors on va laisser se re-TP sur nous. On va aller faire des babales. Parce que là, on a vraiment pas les moyens. On a vraiment pas les moyens. Je sais pas si ça... Il faudrait que je fasse les maths pour voir si ça vaut vraiment le coup de faire du lot. J'ai tellement pas de plomb. Il faudrait que je... Faut que je fasse plein de choses. C'est ça qui est terrible. Quand je lis les mecs qui me racontent qu'il n'y a rien à faire sur le jeu, c'est quand je me dis qu'il faut que... tout ce que je dois faire, moi... Et que je me rappelle que je suis bien dans la merde. Est-ce que j'ai peut-être looté des plans d'armes intéressants, hein. Suivi de chasse de ses morts. On commence à devenir intéressant. Hein. Au niveau des termes de dégâts, on commence à atteindre un truc assez sympathique quand même. Il faudrait que je vois. Là, c'est à 104 sans être amélioré. Le sniper, à l'heure actuelle, on atteint combien de... 120. Si je crafte un fusil de chasse, faudrait que... qu'il dépasse ça. C'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Là, on va pouvoir... Quand elle va enfin rentrer dans mon inventaire, je vais pouvoir la ranger. Là. Maintenant. 1, 2. Voilà. Là, c'est range. Tac. Bon. On a masse bric-à-brac sur nous, c'est très chiant. Comment on est au niveau du plastique? Parce que tant qu'à faire, on gagne un petit peu de place. On gagnera un petit peu de place. Rien de dingue, mais c'est... Ça peut nous permettre de ranger plus de trucs, quoi. Surtout vis-à-vis des trucs très lourds. Donc, juste foutre. Amas d'acier, ça fait 0,0. L'eau d'acier, 0,38. C'est tellement pas rentable, en fait. C'est complètement banal. Faut que je le fasse sur un truc plus lourd, quoi, mais c'est...
Je présume que les maths sont pourries. Les maths ne jouent pas en faveur de cette technique, clairement. C'est le Wii. Dawson. La merde. C'est la merde. Un tour. Ah, j'ai pas de bouffe. Mais genre pas du tout. Bon, je suis à combien de poids là? 210. J'ai pas... Ça me fait chier de me balader avec autant de bric-à-brac quoi, parce que si je beurre là, c'est quand même des... pas mal de trucs qui drop quoi. Ça fait un peu pignata. Ça fait un peu pignata cette histoire. Ouais, tant pis. Faut que je réfléchisse. Technique pour te dire jusqu'à mardi. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. La quête, du coup. Il est level combien, monsieur le sniper? Que je me fasse juste peur sur depuis combien de temps je me le traîne. 30, ça fait 14 niveaux que j'ai le même fusil. Oui, pourquoi? J'ai bien de beau. C'est 14 niveaux quoi, c'est... Quand même, il y a une grande misère. C'est en bas. C'est en bas. Faut que j'arrête de ramasser tout et n'importe quoi. Au moins jusqu'à mardi. Il a fait un grand slide le robot. C'est quoi ça? J'échantillonne. Faut bien. Faut bien échantillonner des fois. Alors, chercher par... bande famille. Erreur, les données sont corrompues. Attends. Tac. Comment s'appelle la clé de l'œil qu'on a reçue? Je me puce qui. Comment bon, qu'est-ce que je suis censé faire en fait avec ça? Ah voilà. On va essayer toutes les bottes, tous les trucs parce que j'ai compris. D'accord, donc la botte douce c'était la bonne. Vraisemblablement. Fouiller la maison de T-Spike. C'est ouf. C'est ouf. Eh ! C'est pas la porte à côté. Le V110, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il a fermé, je crois. Je tape des grands TP. En dessous de 10 capsules, j'ai la flemme. Je calcule mes déplacements à la flemme.
sais pas ce qui m'a irradié autant. Hein. Plus 3, pardon. Plus 3 par seconde, je sais pas ce qui m'a fait tiquer autant le compteur GGA. Tu vois. Oh, me dis pas qu'on va retrouver le gamin à la cave. Oh, non, me dis pas que j'avais raison, que c'était réellement un pédophile, le bordel. Oh, c'est terrible. C'était... Pourquoi je ramasse les cartouches de 38, moi? C'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Ah non, celui-là, c'est le garde de sécurité, d'accord. What the fuck? Ah, oh là là, le drama! Le drama est maximum là quand même, hein, c'est... Par contre, le... La distance de déplacement aussi elle est maximum. Je vais aller faire un tour à Eleven qui est à côté quand même. Voir ce qui se passe. Mais il me semble que le mec qui est en train de le faire est à niveau 110, donc les mobs doivent être aussi niveau 110. Qu'on se fasse défoncer le cul. Ainsi, je mobilise tout citoyen armé pour expulser cette émeute dans le tas. Rushton Steel a largement contribué à ma campagne. Il est encore possible qu'il soit coupable de ce qu'on les accuse. Ça, c'est gratuit. Ah, ils sont niveau 10. Bonjour. C'est pas le même alors. Et quel level le mec qui est ici? Ah, il est là, je suis juste voyé. Il faut passer. Je vais arrêter de les ramasser, car cartouches de 38, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. Non, non, il est bien level 110. Il est bien levé de 110. Trouver le lieu à un rassemblement de la manifestation, mais c'est pas là. Enfin si, c'est là quoi.
il a l'air d'être bugué. L'event a l'air d'être bugué. Je l'ai déjà fait, hein, donc il fonctionne celui-là, mais... Enfin, il est faisable. Mais là, sur ce serveur, il a l'air d'être fou bugué. C'est pas à voir non plus, hein. C'est pas un event très passionnant. Mais bon. It is bugged. Is full bugged. Bon bah cassos. Je propose qu'on se casse. Par là. Je propose qu'on se casse. Bon. Oh, un super mutant. Oh, je suis bloqué. Je peux aller vers le super mutant, s'il te plaît. Tranquille, lui. Ah non, mais arrête de me kite en fait. Quelle sauce ?